Effectivement, nous avons un message au président Kakabé. C'est en fait, bon, je suppose président de son mouvement ou de... C'est en tant que jeune Ivoirien que nous voudrons lui parler. Je pense que son ami et frère, le ministre Charles Blé Goudé, a déjà parlé longuement. Mais il est toujours bon de continuer de parler. On peut, lorsqu'on meurt, on ne va pas avec l'argent. Lorsqu'on meurt, on ne va pas avec l'argent. Lorsqu'on meurt, on va avec la fierté. L'argent et le complot dans lequel Kakabé se trouve présentement, qui est visible de tout le monde, ce complot, il n'est pas sain, il n'est pas bon. Vous savez, en Afrique, déjà le fait de soupirer peut envoyer des malédictions sur une personne. Lorsque tout le peuple, tous les Ivoiriens, même le PDCI, qui est ton parti politique, t'appelle à la sagesse, il est bon d'écouter. Ce n'est pas à Kakabé d'être utilisé pour que la candidature anticonstitutionnelle de Ouattara soit justifiée. Non. Que Kakabé se range du côté des Ivoiriens. Que Kakabé se range du côté de la justice. Que Kakabé se range du côté de la démocratie. Du côté des fiers Ivoiriens. Parce que le pays nous appelle. C'est maintenant que nous devons nous rassembler. Parce que Dieu agit dans l'unité. Dieu agit dans l'union. Il ne faudrait pas que Kakabé marche en ennemi de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il sera dans les grâces du RHDP. Les militants, les personnes qui vont remplir ces meetings viendront sûrement du RHDP. Ceux qui vont porter ces t-shirts viendront sûrement du RHDP. Tous les Ivoiriens le savent. Et même les journalistes internationaux qui vont te suivre le savent aussi. À quoi bon de vendre ton âme? À quoi bon de tout gagner, de gagner l'argent et de perdre ton âme si tu es vraiment chrétien, ou si vraiment tu écoutes Dieu, c'est la voix de Dieu qui te parle à travers le peuple de Côte d'Ivoire, à travers ton parti, le PDCI. Kakabé, s'il te plaît, nous avons besoin que tu rejoignes la Côte d'Ivoire, la cause des Ivoiriens. J'espère qu'on s'est compris. Que Dieu te donne la sagesse. Il n'est pas encore tard. Merci.